Tesla est désormais fournisseur d'électricité au Texas avec le lancement de Tesla électrique. C'est incroyable ça. Selon Tesla, les membres du programme Tesla électrique pourront maximiser la valeur de leur énergie solaire car leur Powerwall décidera automatiquement quand stocker l'énergie ou quand la revendre au réseau. Ça se fait par Tesla qui suit le prix de l'énergie en temps réel. Lorsque les prix sont élevés, l'énergie stockée dans votre Powerwall sera vendue au réseau, maximisant ainsi le montant du crédit que les propriétaires peuvent gagner sur leur facture. Ces crédits peuvent s'accumuler et se reporter d'année en année tant que le propriétaire est inscrit au programme Tesla électrique. C'est pas mal ça. Tout ça est accessible via l'application mobile de Tesla. Vous pouvez même voir combien de personnes soutiennent le réseau avec des énergies renouvelables et également voir combien d'énergie les sources d'énergie durable du Texas, de Tesla au Texas réinjectent dans votre maison. Tesla électrique n'est actuellement disponible qu'au Texas, mais Tesla a de grands projets pour Tesla électrique. Selon une source connaissant ce projet, Tesla souhaite étendre tout ça à d'autres parties des États-Unis, éventuellement le rendre mondial, mais ça prendra un certain temps pour le faire en raison des obstacles réglementaires complexes qui doivent être surmontés. Ouais, j'imagine que Tesla électrique en France, ça va être pas avant 3-4 ans, voire 5-6 ans, à mon avis. Et encore, ce n'est pas la seule grande nouvelle de Tesla Energy au Texas. La semaine dernière, Tesla a obtenu l'approbation d'une centrale électrique virtuelle, pilote de conception du marché à l'échelle de l'État. Ok, bon, ben voilà, les nouvelles. Tesla, donc, qui devient fournisseur d'énergie au Texas et sûrement dans d'autres États en 2023. Ça va s'étendre, c'est sûr. Voilà pour ça, je vais juste commenter.